produire des brocarts et des gaz des dynasties Zhou et Tang? Comment cuire des porcelaines des dynasties Song et Yuan dans un four actuel? Les estampes peuvent-elles transmettre les grandes inscriptions des rochers? Les artisans habiles continuent d'écrire les classiques. Le 6 janvier 2007, on a découvert une tombe de la dynastie Zhou de l'Est, dans le district de Jing'an, au Jiangxi. Après plus de 6 mois de fouilles, le panorama souterrain s'est étalé. Dans les fosses se trouvent couteaux de raclage, lames de précision en os de bête, cadres en bois, navettes, rouées en céramique. Ces objets sont identifiés comme des outils textiles. Les trésors les plus remarquables de la tombe sont des produits textiles. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que les tissus anciens sont mélangés avec de la boue et du sable. Ces tissus pâteux se brisent au moindre contact et se dissolvent une fois dans l'eau. Wang Yajong, spécialiste en restauration des soies anciennes, a sélectionné avec soin des pâtes de soies anciennes pour les congeler. En juillet 2016, le travail consistant à extraire le tissu de la dynastie Zhou de l'Est à partir de cette pâte a commencé. Neuf ans de congélation ne sont pas grand-chose pour des tissus qui ont dormi pendant une vingtaine de siècles. Alors que Wang Yajong, 9 ans après, a dépassé les 70 ans. Âgé de 75 ans, Wang Yajong a 6 stents dans le cœur. Mais dès qu'elle est devant ses antiquités, elle redevient très énergique, le regard rigoureux et la main précise. Les pincettes pointues arrivent à attraper du sable fin comme une pointe d'aiguille, bien qu'ils aient été enterrés plus de 2000 ans. C'est difficile de voir l'épaisseur de la boue et du sable qui entourent les tissus anciens. Si l'on utilise quelque chose de dur pour les enlever, on nuira gravement à l'objet. Le pinceau en poil de chèvre frôle la pâte boueuse, se débarrassant peu à peu de la terre. L'objet ne sera pas pour autant froissé. L'essentiel réside dans la maîtrise de la force. Abrités par la terre pendant plus de 2000 ans, ces trésors ne peuvent pas souffrir du moindre mal dans ses mains. Wang Yajong veut perpétuer cette brillance à l'aide de ses savoirs extraordinaires. Ainsi, elle tient à ce pinceau plus qu'un calligraphe tient au sien. Il a fallu plus d'un mois pour enlever la terre qui scelle ce petit tissu. L'histoire s'est manifestée devant Wang Yajong. C'est un chef-d'œuvre artisanal avec une couleur de la dynastie Zhou de l'Est et des veines fines de plus de 2600 ans. Sous un microscope qui grossit 200 fois, les chaînes et les trames de soie se voient clairement. Chaque centimètre contient 240 chaînes qui ont pour diamètre 0,1 mm. Les tissus de haute qualité que produisent les machines modernes ont environ une centaine de chaînes par centimètre. Il y a plus de 2600 ans, nos ancêtres arrivaient à déposer 240 chaînes par centimètre avec des métiers à tisser. La délicatesse des artisans de l'époque stupéfait la génération actuelle habituée aux ordinateurs. Après avoir séparé la terre des tissus congelés, il faut encore procéder au nettoyage, à la teinture, à la broderie et au tissage,
pour lui redonner son état original. Il faut également des riches expériences d'archéologie textile et la maîtrise des techniques traditionnelles de tissage pour reproduire le brocart des Zhou de l'Est. Wang Yaron a besoin de vérifier la région et la date où le brocart a été déterré et de considérer la méthode de tissage pour concevoir un plan complet de restauration. La restauration peut prendre des mois, des années ou plus d'une dizaine d'années. Alors que la restauration de ce brocart des Zhou de l'Est prend du temps, Wang Yaron va bientôt finir celle de la gaze des quatre chaînes de la dynastie Tang. En 1987, Wang Yaron a vu pour la première fois la gaze des quatre chaînes au palais souterrain du temple de Famen dans la province du Shanxi. C'est une création qui l'éblouit et qu'elle admire. Ce qui l'a déçu le plus, c'est qu'on ne connaisse plus sa technique de tissage. La gaze des quatre chaînes Tang et le vêtement bouddhiste de soie de Ma Wangdui à Changsha sont des marques importantes du Made in China des dynasties Han et Tang. Cependant, ils ont disparu pendant longtemps. Faire revivre les classiques de la soie chinoise ancienne a motivé Wang Yaron à travailler. Le 18 mars 2016, on a inauguré officiellement à Suzhou la base de recherche de l'archéologie textile de l'Institut archéologique de l'Académie chinoise des sciences sociales. Les spécialistes de la soierie se rassemblent ici afin de reproduire les soies traditionnelles comme le brocart des Song, Ke Se et la gaze des quatre chaînes. Il y a 5 métiers à tisser en bois à la base. Ils sont fabriqués par Wang Yaron et son équipe selon les métiers à tisser anciens. Grâce à la créativité des artisans modernes, le public d'aujourd'hui ne se borne pas à la vue des fragments archéologiques. Quand on parle de soierie chinoise, on parle souvent de mousseline de soie, gaze, soierie et satin. Perméable et agréable sur la peau, la gaze apporte une sensation de frais. Elle a une forme fluide et élégante. Mais avec sa difficulté de tissage et son coût élevé, sa technique s'est perdue à la fin de la dynastie Qing. Il ne reste que quelques endroits à avoir conservé la technique de tissage de la gaze blanche. La gaze des quatre chaînes est la meilleure de la sorte dans la catégorie de gaze décorée. Plus difficile que les autres, sa technique a complètement été perdue il y a longtemps. Après avoir étudié de près les antiquités Tang dans le temple de Famen, Wang Yaron a compris la structure de tissage de la gaze des quatre chaînes. À ce moment-là, Wang Yaron a eu besoin de coopérer avec des artisans expérimentés qui savaient manipuler les métiers à tisser anciens pour faire revivre les classiques. En 2013, elle a trouvé le couple Li Dexi à Suzhou. Wang Yaron et le couple Li constituent un groupe de 3 personnes dont l'âge total dépasse les 200 ans. L'âge a renforcé la passion de la recherche. Ils interprètent au sens propre l'expression « dans le droit fil de » sur leur temps précieux. Après plus d'un an d'essai, le premier morceau de la gaze des quatre chaînes Tang est réussi par Wang Yaron et le couple Li. C'est une avancée considérable pour la restauration des techniques de tissage anciennes chinoises. «
Les archéologues peuvent nommer ce genre de reproduction archéologie expérimentale ou archéologie simulée. Au lieu de se soucier de la dénomination, Wang Yajon et ses collaborateurs n'ont envie que de perpétuer la brillance de la soie chinoise. Brocart au teint rouge en deux couleurs de la tombe des Zhou de l'Est, vêtements bouddhistes de soie de la dynastie Han à Ma Wangdui, gaz des quatre Shentang du palais souterrain du temple de Famen, brocart des sons, satin des Ming, ce sont des trésors de la culture de la soie chinoise. Les innombrables fils fins qui sortent de la main des artisans transmettent leur esprit de génération en génération. La soierie est un classique de la culture matérielle chinoise, l'industrie classique qui représente le mieux l'esprit artisanal chinois. Ces chefs-d'œuvre contiennent des révélations d'artisans qui attendent les échos des siècles après. Tout comme Wang Yajon qui cherche à restaurer les classiques de la soierie ancienne, Zhu Wenli, à sa manière, salue les classiques de la céramique. Les artisans ont leur propre manière de rendre hommage aux classiques de leur métier. Pour cela, il faut réfléchir et étudier afin d'arriver à la perfection. La technique ancienne chinoise de la céramique a créé d'innombrables classiques. La porcelaine Zhou, à la fin de la dynastie Song du Nord, est considérée comme le sommet de la technique de la céramique chinoise. Malheureusement, elle ne fut vivante que durant 20 ans. Depuis 800 ans, les artisans de céramique, dont Zhu Wenli, ont peiné dans les essais de reproduction. Reproduire la porcelaine Zhou est devenu le plus grand défi pour les artisans de céramique des générations suivantes. Un nouvel essai de Zhu Wenli a commencé. Il a mis avec soin les embryons de porcelaine dans le four en faisant attention à leur intervalle. Il a mis en même temps les reflets du feu. Appelé également marque du feu, le reflet du feu sert à vérifier la température du four et la puissance du feu pour les embryons. Il y a 12 périodes durant la cuisson de la porcelaine Zhou. La couleur de l'émail change pendant chaque période. Durant 8 heures de cuisson, Zhu Wenli est resté à côté du four, observant les reflets du feu. La maîtrise de la cuisson est basée sur la compréhension des expériences. L'astuce repose dans son cœur. La porcelaine Zhou est différente des autres, car après l'arrêt du feu, la couleur verte de l'émail va changer sans cesse pendant que la température tombe. Les artisans ne peuvent qu'attendre le dernier moment pour confirmer si la couleur s'est transformée en céladon, la couleur unique de la porcelaine Zhou. La transformation de la couleur de l'émail de la porcelaine Zhou dans le four est une transformation merveilleuse. Comment les artisans à l'époque de la dynastie Song sont-ils parvenus à fixer la transformation à l'état parfait du céladon ? Zhu Wenli a toujours eu envie d'obtenir cette technique merveilleuse. En 1987,
Le céladon est apparu sur plusieurs pièces dans une cuisson de Juan Li. Malgré la simplicité de sa couleur, le céladon a des qualités nobles et du charme. Il ressemble au vert et au bleu sans vraiment être ni l'un ni l'autre. Il est très voyant, mais on ne peut pas le définir. Ce qui est le plus merveilleux, ce sont ses expressions changeantes selon les lumières et les angles. Sous un beau soleil, le céladon laisse entreapercevoir un léger jaune lumineux. Avec une loupe, on aperçoit des bulles clairsemées dans l'émail, ce qui donne une couleur claire sans être froide, jolie sans être séduisante. Pour son élégance et sa beauté, la porcelaine roux appartient ainsi à la meilleure catégorie, un classique de son genre. Zhu Wenli a fait réapparaître la porcelaine précieuse qui avait disparu 800 ans. C'est un miracle qui a étonné ses confrères. Zhu Wenli est devenu un artisan connu grâce à la porcelaine Zhu. Presque 40 ans se sont écoulés. Zhu Wenli a cuit des centaines de milliers de pièces de porcelaine Zhu. Seules des dizaines d'entre elles sont parvenues à représenter la couleur parfaite du céladon. À ses yeux, ces dizaines de céladons ne constituent qu'un hasard. Il n'a pas encore maîtrisé le vrai secret de la porcelaine Zhu. Les vrais artisans ne se trompent jamais et ne trompent pas le monde avec une réputation dont ils ne sont pas dignes. Il a brisé toutes les pièces disqualifiées. C'est le prix pour obtenir la perfection. Où peut-on trouver la méthode ancienne qui garantit une réussite pour chaque cuisson? Zhuzhou est le lieu de production principal de la porcelaine officielle Song. Aujourd'hui, les vestiges des Song du Nord sont ensevelis sous la terre. Zhu Wenli fait bien attention au chantier de construction, car il n'est pas capable de déterrer par lui-même. Il arrive sur les chantiers immédiatement après chaque déterrement de fragments de porcelaine. Depuis 40 ans, Zhu Wenli a parcouru de nombreux chantiers de construction, découvrant plus d'une dizaine de sites anciens, de fours, sans trouver la moindre trace de céladon. La passion n'a pas changé malgré le temps. Beaucoup d'habitants de Zhuzhou sont au courant de ce fou de porcelaine. Des recherches et des comparaisons ont mené Zhu Wenli à la conclusion que le plus grand problème repose sur les ingrédients de l'émail. Malgré la justesse de la conclusion, les ingrédients sont perdus depuis longtemps avec la porcelaine Zhu. Zhu Wenli pense que Zhuzhou est la seule région de production de la porcelaine Zhu. Les fours anciens utilisaient des matériaux locaux à cause de l'inconvénience du transport. Donc les minéraux servant d'ingrédients ne pouvaient exister que dans les montagnes de Zhuzhou. À partir de cette idée, Zhu Wenli est parti à la montagne tous les trois jours. Il n'a jamais cessé de chercher. Les années passant, il a parcouru toutes les montagnes de Zhuzhou. De l'Antiquité jusqu'à nos jours, les artisans persistent toujours dans la recherche et excellent à faire des découvertes. Ni la longueur de la recherche, ni la difficulté de la découverte ne peuvent empêcher leurs efforts. Comme Zhu Wenli,
Liu Zhenxing mène ses disciples sur le long chemin difficile de la recherche de la technique. Sa technique d'estampage consiste à réaliser un art en trois dimensions sur une surface en deux dimensions. Ni la photographie, ni un scanner tridimensionnel ne peuvent avoir un contact direct avec un objet archéologique comme l'estampe peut le faire. Estamper parvient à représenter d'une manière authentique les lignes, les veines et le désagrément des inscriptions et des gravures. Beaucoup d'objets anciens, perdus ou abîmés, sont restaurés et transmis par les estampes. Déposée dans le temple de Zhonghui au Henan, cette stèle est un chef-d'œuvre de la dynastie Wei du Nord. Succédant aux écritures des clercs Han, les stèles des Wei du Nord précèdent le style des Tang. Ils instaurent un nouveau style de calligraphie imité par les générations suivantes. La stèle du temple de Zhonghui est un classique du style des stèles Wei. Malheureusement, au début du XXe siècle, les caractères se sont obscurcis et la stèle était incomplète. Aujourd'hui, on a accès à l'apparence de la stèle originale grâce aux estampes du milieu de la dynastie Qing conservées à la bibliothèque de Shanghai. Les estampes et les objets liés sont toujours considérés comme des objets archéologiques. Les estampes connues équivalent à des éditions rares. Au commencement du métier, Li Zhenxing pensait qu'il était possible d'estamper des stèles en deux dimensions et des statues en trois dimensions. Mais les travailleurs expérimentés lui ont appris que la seule méthode existante en Chine depuis l'Antiquité était en deux dimensions. Les objets en trois dimensions brisent les papiers. Cela ne marcherait pas. Les ancêtres avaient raison. Mais ce débutant était fasciné par ces idées improbables. Il étudia attentivement la technique en deux dimensions tout en réfléchissant à une méthode pour trois dimensions. À l'insu de son maître, il a commencé à estamper les reliefs. Après une vingtaine d'années d'essais, ce qu'on trouvait bizarre est devenu une technique mature. Les ouvrages de Li Zhenxing ont couvert toute la Chine. Ils ont sauvé des hauts-reliefs et des ronds-bosses tout en laissant des dossiers précieux. Ce sont également des preuves importantes pour l'inscription à la liste du patrimoine mondial. Cette fois, le défi de Li Zhenxing est la statue du Bouddha Sakyamuni, debout, réalisée durant la dynastie Wei du Nord. Haute de presque 6 mètres, elle se situe dans une grotte à Gongyi, au Henan. Les artisans de l'époque l'ont gravée avec soin, selon la forme du rocher. Malgré 1500 ans d'épreuves, elle a maintenu son allure opulente. C'est une sculpture classique des âges anciens. Si l'on peut la représenter avec la technique d'estampage des hauts-reliefs, on créera un chef-d'œuvre d'estampe en trois dimensions. Après la mesure précise, le processus d'estampage a commencé. On dépose du papier chuan humide sur le visage et le corps du Bouddha. Li Zhenxing a vérifié les bonnes positions pour estamper les parties renflées. Ensuite, il a soigneusement coupé les papiers avant de les coller sur la statue avec une brosse. En été, la chaleur évapore vite l'eau dans les papiers chuan. Li Zhenxing et les autres ne peuvent pas arrêter un seul moment.
ils doivent estamper avant l'évaporation totale de l'eau. Il faut répéter une dizaine de fois ce processus, durant lequel on découvre de nombreuses veines minutieuses. Ce sont les empreintes de la gravure des anciens. L'estampage rend tous ces détails visibles. C'est son véritable charme. Après avoir travaillé pendant 2 jours et 1 nuit, Li Zhenxing va terminer ce grand ouvrage. Contrairement à la méthode en 2 dimensions, estamper en 3 dimensions demande de couper les papiers selon la forme de l'objet. Ainsi, les papiers Xuan sont en fragments. La dernière étape de Li Zhenxing est de joindre les fragments d'estampe pour former un ensemble. Des connaissances en archéologie, peinture et sculpture sont nécessaires pour le collage. Bien que Li Zhenxing ait une 30aine d'années d'expérience, chaque collage reste un grand défi pour lui. Aucune erreur n'est permise dans ces innombrables étapes. Une seule erreur conduit à 1000 autres erreurs, dérangeant l'ensemble du corps. Suite au collage, il reste le travail de modification. La modification du visage est la plus difficile, alors que celle des oreilles marque le sommet de la difficulté. Après 3 jours de collage, l'image du Bouddha est d'une ressemblance frappante à la statue originale. La nuance des couleurs d'encre donne l'impression que le vêtement du Bouddha flotte au vent, ce qui le rend vivant et sympathique. Estampe, cuisson de porcelaine, tissage de soie, ce sont des classiques culturels de la nation chinoise. Ils ont apporté des éléments chinois irremplaçables à la civilisation humaine. Le travail des artisans constitue la base des techniques principales de ces apports. De l'Antiquité à nos jours, les artisans chinois ont incarné la civilisation nationale par leur création solide. Ces classiques artisanaux enrichissent sans cesse les trésors de la civilisation nationale, prouvant la créativité chinoise dans les domaines de création spirituelle et de production matérielle.